Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être assez rapide. Je vais vous montrer les petites nouveautés qui viennent de sortir chez Graffiti Girl. Je vous l'avais dit, je vais reprendre les vidéos, hein. Il y a des tutos qui vont arriver, il y a plein de choses qui vont venir. Des choses qui n'ont rien à voir non plus avec le scrap, au moins pour une vidéo. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter les petites nouveautés que je viens de recevoir. Excusez-moi. Alors pour commencer, on a 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches qui sortent d'étiquettes. Moi, je les adore. Je sais que vous êtes nombreuses à bien les aimer aussi. J'ai l'impression que c'est un petit peu sombre. Je ne sais jamais sur ce téléphone comment on fait pour régler la luminosité et tout ça. Je vais déjà zoomer un tout petit peu. Voilà, ce sera mieux. Bon, c'est pas grave, je remettrai de la lumière en montant la vidéo. Donc la première planche, c'est la planche sur l'étiquette thème lui. Donc voilà, on a plein de petits textes. Est-ce que ça va me faire le focus ou pas? Il n'a pas envie aujourd'hui. Bah alors, là, voilà. Non, faut que je dézoome parce qu'il ne veut pas. Voilà. Non, toujours pas. Ah, mais ça m'embête. Pourquoi ça ne veut pas me faire le focus? Faut que j'aille doucement peut-être. Voilà. Donc on va avoir plein de petits textes sur le thème des garçons. Donc on a lui, ma moitié, homme idéal, charisme indéniable, force tranquille, mon cœur lui appartient, l'amour en personne, mon destin, mon amour, lui, mon bonheur quotidien, son sourire illumine mes journées. Voilà, pour les amoureux, ça sera top. Et on a aussi la planche L. Voilà, version fille. Est-ce que ça brouille ou pas? Oui, bien évidemment. Bon. Ça m'embête. Voilà, le problème est résolu. Donc ça, c'est la planche L. Donc on va avoir mère et femme, femme d'exception, force d'une mère, mère et guide, force féminine, beauté féminine. Donc c'est la planche L. Je profite que ça remarche nickel pour vous remontrer le lui correctement. Voilà. Ensuite, on a une petite planche pour la prochaine saison qui s'annonce, donc l'automne. Je veux bien un peu d'automne, là, tellement il fait chaud. Donc voilà ce qu'on va retrouver. Parfum de cannelle, souffle d'automne, feuilles dorées, rêve d'automne, promenade dans les bois, coucher de soleil, balade en campagne. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut retrouver à la demi-saison. On va avoir la planche cercle familial. Alors ça, c'est génial. Neveu, nièce, parrain, marraine. Voilà, moi j'ai plein de photos avec neveu, nièce, ce genre de... Enfin, mon neveu, qui est aussi mon filleul. Et voilà, ça va me permettre de faire plein de petites choses sympas. Ensuite, bah, la rentrée, c'est dans un mois à peu près. Donc, on va avoir le thème école. Ça, on ne l'avait pas et c'est topissime. Voilà, ça va aller très très bien avec la planche que je vais vous présenter juste après. Voilà. Et la dernière, donc, qui est thème sport. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà, si vos enfants font du sport pour illustrer des petits minis avec une compétition, ce genre de choses, je trouve que ça peut être sympa. Et il y a beaucoup de sports, alors gymnastique, ping-pong, volley. Il me semble en avoir vu un autre. Il y a la course, c'est sûr, rugby. Je cherche, il y a d'autres sports, karaté, judo, kimono. Voilà pour le karaté. Il y a pas mal de trucs très sympas, je trouve. Donc ça, ces petites planches, moi je les adore. Moi, ce que je fais, vous savez que je ferais, j'aime bien que tout soit prêt à l'avance. Je découpe tout et je les range dans des petits sachets, hop, comme ceci, où je mets bon, mon petit logo pour me rappeler que c'est du GG, même si je les reconnais sans problème. Et le titre de la planche, et comme ça, dedans, j'ai toutes mes petites bandes d'étiquettes et j'ai plus qu'à chercher le thème qui m'intéresse. Je fais pareil de toute façon avec tout ce qui est étiquette, die cut, etc. Je trouve que c'est bien plus pratique. Et la petite planche donc, qui sort en même temps, qui s'appelle School, elle a été dessinée par ma copinette de DT, Ophélie. Donc on a deux petits personnages qui sont un peu enfantins, qui sont très mignons, je trouve. On a le petit minou ici, parce qu'Ophélie, c'est Madame Chat, elle adore les minous, vous le savez. Moi aussi, donc j'étais contente d'avoir le petit chat. On a le Youpi. Alors je ne suis pas sûre que les enfants vont tous dire Youpi pour reprendre l'école, mais c'est plus Youpi pour les parents qui du coup vont pouvoir souffler un peu s'ils ont encore quelques jours pour en profiter. Et après, on va avoir plein de petites choses sur le thème de l'école, microscope. Rapporteur, règle, calculatrice, les livres, la pomme, le ciseau, le globe terrestre, l'équerre, les pages de cahier, le ballon, le compas, le crayon, le taille-crayon, le trombone et une petite ampoule. Et on a aussi une petite loupe ici. Donc voilà, comme d'hab, c'est une planche en 10-15. Et voilà, vous avez toutes les infos.
Voilà, ça c'était donc les petites nouveautés de ce mois d'août. Voilà, il n'y a pas de nouvelle collection en août, mais par contre, vous avez 6 planches d'étiquettes et une planche de tampons. Et puis, une petite info à vous donner, je sors mon petit carnet où j'avais tout bien noté. Klein vous propose un réassort d'anciennes planches. Donc, ce sont des planches qui n'étaient plus fabriquées. C'est des très anciennes collections que d'ailleurs, elle avait sorti complètement, voilà, de ce qu'elle proposait. Et puis, je suppose qu'elle a dû avoir des demandes. Donc, elle fait un réassort. Attention, c'est des quantités hyper limitées. Vous allez retrouver les planches Inspiration, Rondeur numérique, Bohème, Instagraphique, Stick, Mécanique, Blabla et Carterie. Voilà, donc ce sont 8 planches qu'elle ressort, qui seront donc en stock très très limité. Elle en a refait quelques exemplaires pour que celles qui voulaient vraiment les avoir puissent les avoir. Voilà, ce que vous le savez maintenant, toutes les collections de graffiti sortent en quantité limitée, ne sont pas réassorties. Voilà, pour des histoires de stock, etc. C'est beaucoup plus simple comme ceci. Si on les veut, bah voilà, on les achète quand c'est le moment. Après, bien sûr, des fois, vous voyez, là, elle le fait, hein, parce que Klein, elle est comme ça. Quand il y a de la demande, elle va le refaire. Mais c'est pas automatique et c'est pas tout de suite derrière. Donc voilà, quand vous avez envie, n'hésitez pas à craquer tout de suite. Voilà, voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des créas. Bye bye!